Donc bonjour à tous et bienvenue au jeudi du numérique. Donc moi c'est Elodie, je suis en charge de tout ce qui est communication et événementiel chez VIP. Sur la liste des inscrits, j'ai noté qu'il y avait pas mal d'entre vous qui assistaient pour la première fois au jeudi du numérique. Donc rapidement, les jeudis du numérique, ce sont des événements, en ce moment des webinaires, qui sont offerts par VIP, la Technopole qui est située à Vannes, dans le cadre du développement de la filière numérique de notre territoire. Aujourd'hui, on accueille Thierry Gaillet de Orange pour nous parler IoT. Et comme on est un petit peu nombreux, ce qu'on va vous proposer, c'est donc de couper vos micros et puis si vous avez des questions, de les poser via le chat. Et donc, sauf exception, on y répondra en fin de webinaire. Voilà, Thierry, je vous passe le micro du coup. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry Gaillet, en charge du programme de partenariat IoT chez Orange. Je travaille sur toute la France en fait et dans d'autres pays. Et ça va être intéressant pour nous d'échanger ce soir sur plusieurs thématiques IoT. Alors, comme le disait Elodie, on va réserver des questions pour la fin parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Sauf si vraiment il y a des choses qui sont vraiment pas claires, qui vous empêchent d'avancer en fait dans le rythme de l'exposé. À ce moment-là, n'hésitez pas à m'interrompre, mais je préférerais qu'on traite les différentes questions à la fin. Alors, on a plusieurs sujets à voir ensemble ce soir. Donc, déjà quelques enjeux, hein, un rappel pour bon nombre d'entre vous, hein, sur les enjeux de l'IoT. Beaucoup de choses sont racontées, parfois déformées sur l'IoT. On va essayer de faire une petite mise au point entre nous sur ce qui est possible de faire aujourd'hui et quelles sont les évolutions. Ensuite, nous verrons par différents domaines les différentes transformations qui s'opèrent, avec notamment des acteurs de la région. J'ai cru reconnaître certains d'entre eux tout à l'heure dans les vignettes. Un petit point techno aussi sur eh bien, au moins trois réseaux importants, hein, que sont LoRaWAN, LTE-N et puis la 5G qui arrive pour l'IoT. Et bien sûr, quelques points, une petite page de pub sur Orange, mais rassurez-vous, ce sera très bref à la fin, juste avant les questions-réponses. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous savez tous que le nombre d'objets connectés a fait l'objet de beaucoup de spéculations. En 2010, en fait, on pensait qu'on aurait un nombre faramineux d'objets connectés. La réalité est beaucoup moindre, tout simplement parce que le décollage a été beaucoup plus lent que prévu. Alors, on a une croissance qui est soutenue, hein, qui s'accélère en ce moment, mais par rapport aux prévisions initiales, on est quand même très en deçà. Parce que tout simplement, l'époque, les proof of concept, le passage à l'échelle n'a pas eu lieu aussi rapidement que les analystes et les fournisseurs également, hein, de solutions IoT, dont les opérateurs, escomptaient finalement il y a quelques années. Alors aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a à peu près 9 milliards d'objets connectés. Alors attention, dans ces 9 milliards, on compte aussi les smartphones, on compte les bracelets Fitbit, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sens large. Et une évolution qui tend, apparemment, hein, si on croit les perspectives. Et la crise du Covid a freiné quelques pans de l'activité IoT, mais en a accéléré d'autres. Et donc, on est assez confiant sur une accélération vers les 40 milliards d'objets en 2025. Alors, c'est énorme, bien entendu. Ce qui est énorme également, c'est le volume de données qui sont collectées par les différents objets. Tellement énorme que ça devient ingérable si on essaye de tout concentrer sur le cloud. Et on verra qu'il y a différentes solutions justement pour essayer de traiter les données issues des objets au plus proche de l'acquisition, au plus proche du terrain, de manière justement à avoir à la fois du temps réel, mais aussi ne pas surcharger en fait les capacités cloud avec tous les problèmes de performance, mais aussi d'impact écologique, hein, bien sûr, de cet ensemble de données. Alors, ce qui est important de bien différencier aussi, c'est la dichotomie entre le grand volume d'objets connectés pour toute la sphère consumer, l'aspect B2C. Vos smartphones, vos enceintes connectées à la maison, vos bracelets Fitbit, votre caméra de sécurité, par exemple, tout ça rentre dans le volume énorme du B2C. Mais il faut savoir que la valeur importante, hein, en chiffre d'affaires, en marge, en perspective, se situe bien sûr dans la partie B2B, avec de nombreux domaines qu'on va voir ensemble. Donc, ça va bien sûr de la Smart City au sens large, hein, avec par exemple l'éclairage public, les parkings, etc., jusqu'à par exemple le retail, avec donc l'expérience client en boutique,
en passant par l'agriculture de précision, typiquement. Donc, c'est là où se situe vraiment la valeur de l'IoT, et c'est là où beaucoup d'acteurs se concentrent aujourd'hui. On a, par exemple, chez Orange, accompagné au départ beaucoup de startups qui étaient dans un business case plutôt B2C, avec typiquement, par exemple, des pommeaux de douche connectés, et qui maintenant ont complètement pivoté vers un business model beaucoup plus B2B, avec des chaînes hôtelières, par exemple, des résidences, pour justement créer de la valeur et recevoir aussi des revenus plus importants, plus sécurisés en B2B. Donc, ce contraste est très important à garder en mémoire. Alors, si on fait des sondages et si on interroge les sociétés, bon, c'est évident, quasiment toutes les sociétés aujourd'hui veulent absolument utiliser l'IoT. Comme je le disais, la crise du Covid, le confinement, enfin, toutes les perspectives de retour compliquées au bureau facilitent énormément, je dirais, le smart building et tous les scénarios d'acquisition de données, d'aménagement de bureaux, de check de distanciation sociale, par exemple, de détection de qualité de l'air aussi. Toutes ces données sont très importantes et on est très confiant sur le fait que ça multiplie finalement la base à la fois de capteurs, mais de traitements d'informations liées à ce qui se passe avec le Covid. Très important également au niveau transformation, c'est qu'on a pris conscience de l'adéquation entre l'acquisition de données, le traitement des données, et fluidifier au maximum justement cette prise d'information, cette prise de décision aussi suite aux objets. Donc c'est vraiment un accélérateur, et encore une fois, typiquement dans le smart building, mais pas seulement. Alors, point également important, quand on fait des sondages auprès de nos clients ou des sondages qui ont été faits par d'autres types de fournisseurs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a quatre grandes familles de raisons pour lesquelles les entreprises veulent absolument accroître le déploiement de l'IoT, tout simplement pour réduire des coûts. Alors, les coûts, ça peut être simplement le coût de fabrication, mais c'est souvent un coût de downtime, c'est-à-dire qu'en fait, si sur une chaîne de production, l'IoT permet de prédire à l'avance un arrêt potentiel d'une chaîne, l'économie est énorme et ça permet justement de ne pas dépenser trop d'argent lorsque la chaîne s'arrête et lorsqu'il faut réparer par exemple une machine après coup. Donc tout ce qui est maintenance prédictive, tout ce qui est élaboration, planification est extrêmement important. Ça permet parfois aussi, lorsqu'une panne arrive, d'aller beaucoup plus rapidement à la source de la panne. Et donc l'IoT est un grand contributeur pour réduire les coûts en entreprise sur énormément d'aspects. Autre point qui est très important, c'est tout ce qui est sécurité, sécurité du personnel, sécurité en fait des locaux. L'IoT permet très élégamment d'équiper typiquement des travailleurs isolés, de détecter des chutes, y compris d'ailleurs dans des EHPAD par exemple. On a plusieurs startups avec lesquelles on travaille, notamment sur ce use case, et qui permettent par exemple de détecter des chutes, de retrouver des personnes qui sont un petit peu égarées et de les ramener en fait de manière assistée grâce à la géolocalisation, de manière sécurisée, de manière plus automatisée, et donc ça contribue à la sécurité. Autre élément important, c'est la qualité, donc le contrôle qualité. Alors ça peut être du contrôle visuel, du contrôle thermique, ça peut être tout un ensemble de choses qui sont plus automatisées qu'auparavant et qui, grâce à l'IoT, justement, déclenche une politique de qualité bien supérieure. Et puis la productivité, donc là aussi ça a trait à l'automatisation. Près de Nantes, typiquement, vous savez qu'il y a un grand projet avec Lacroix, hein, d'une usine du futur, projet Symbiose, qui est très important et qui vise justement à rendre beaucoup plus productive l'usine de demain, dans la mesure où tous les îlots de production pourront être complètement modularisés et effectuer des tâches de manière beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile qu'auparavant. Donc ça accroît la productivité, ça accroît aussi, je dirais, la qualité du travail, puisqu'en fait, les opérateurs sur site ont un travail beaucoup plus attractif, ils sont guidés et leur productivité s'accroît mécaniquement. Donc c'est vraiment très très important d'avoir en tête ces différents facteurs qui mobilisent en fait les différentes énergies autour de l'IoT.
Autre point intéressant, c'est que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets en fait, qui démarrent et qui s'arrêtent. Et si on interroge en fait, les raisons du succès, alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'on met en regard deux chiffres, hein, deux ratios. On a interrogé en fait, à la fois les responsables techniques à gauche et les responsables business à droite. Et on leur a dit, mais finalement, sur le nombre de projets IoT qui ont été démarrés dans votre entreprise, les responsables techniques ont dit qu'il n'y en avait que 35% qui étaient vraiment des succès. Et ça tombe à 15% pour le responsable business. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, sur un plan technique, l'IoT fonctionne en général plutôt bien, surtout dans des POC de petite échelle. Donc, on fait un proof of concept avec quelques objets. Mais ce qui manque souvent, c'est la dimension, la vision business, l'implication des différentes équipes qui fait que toute l'entreprise est vraiment derrière le projet. Et la perception, justement, des gens qui ont une casquette plutôt business versus ceux qui sont plutôt techniques est vraiment déceptive parce que, justement, ils n'ont pas forcément été embarqués à temps. La vision n'est pas forcément partagée initialement. Et donc, c'est un axe de travail très, très important pour le succès des projets. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de projets restent à l'état de prototypes ou de petite échelle et ont du mal à passer à une vitesse supérieure et à se généraliser dans les entreprises parce que justement, il arrive un moment où les responsables de projet ne sont plus techniques, mais ils sont business. Et il faut les convaincre justement de passer à l'échelle et de généraliser des solutions. Donc, ça, c'est un sondage qui a été partagé en fait dans plusieurs pays. On retrouve typiquement le même phénomène, que ce soit en France, dans les pays anglo-saxons aussi. Et c'est une constante, la difficulté justement à passer à l'échelle en essayant de convaincre et d'impliquer toute la dimension de l'entreprise. Alors, si on les liste ici, alors il y a des problèmes justement de budget, bien sûr. Hein. Il faut un budget minimal de manière à avoir une échelle suffisante lorsqu'on fait des tests. Il faut, là aussi, l'ingrédient principal, c'est que toute l'organisation de l'entreprise soit justement alignée sur un objectif. Et puis, il faut traiter la complexité. Qui peut être technique, qui peut être financière, qui peut être humaine. Hein. Ça peut être aussi des réactions de gens qui ont peur pour leur emploi. On a eu des exemples hein, avec des entreprises que je ne citerai pas, mais qui ont eu un succès vraiment très important sur le plan technique. Mais ça me fait un petit peu peur aux équipes en fait, de maintenance qui ont cru que les objets, finalement, allaient automatiser tellement donc la vérification de la production que leur job était menacé. Ce qui était faux, parce qu'en fait, il y avait des plans justement de requalification et d'augmentation du scope de ce que les gens pouvaient faire, mais ça n'a pas été forcément bien communiqué. Et donc, il faut vaincre là aussi ces obstacles de manière à pouvoir généraliser. Et à l'inverse, si on prend donc, ce qui fonctionne bien donc, dans différents projets, c'est lorsqu'il y a justement un business case, c'est-à-dire un plan qui détaille ce qu'on veut faire typiquement avec les objets, comment on va s'y prendre, qui impliquer, comment mesurer le succès, très important, ne pas être trop ambitieux et avoir en fait, des indicateurs de succès qui sont atteignables, et puis justement embarquer les différentes équipes de manière à ce qu'elles puissent elles aussi être complètement partie prenante et puis surtout prévoir l'intégration au process de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose très très vite en mode intrapreneur ou en mode start-up dans une grande entreprise. Il faut bien sûr embarquer, il faut pouvoir retrouver l'entraînement avec les process, je dirais, classiques de l'entreprise. Sinon, on aura toujours un disconnect entre les deux. Bon, ça paraît banal tout ça, mais c'est important de le rappeler parce que souvent, l'IoT est tellement enthousiasmant en termes techniques et en termes de réalisation que ça paraît assez simple finalement, techniquement, on peut s'embarquer. Et si on oublie de cocher toutes ces cases, on peut effectivement être bloqué un petit peu plus tard par la suite. En tout cas, c'est un retour d'expérience qu'on a pu vivre, y compris en fait, d'entreprises comme la nôtre d'ailleurs. Et donc, en fait, pour résumer, tout ça fait l'objet de la transformation numérique, hein, transformation digitale, comme certains le disent, où il faut à la fois embarquer donc, l'organisation, traiter, je dirais, l'application avec les process, et puis faire en sorte que la partie IT soit également complètement intégrée. Et donc,
On constate aussi une évolution de ce qu'on appelle les POC. Alors le POC, vous savez, c'est le proof of concept qui est assez technique finalement. On mesure que, par exemple, une température très négative dans les congélateurs, on mesure par exemple une géolocalisation assez délicate, donc quelque chose assez technique peut être faite. Donc ça, en général, lorsqu'on y met les moyens, lorsqu'on a les bons fournisseurs, ça se passe bien. Et en revanche, ce qui est plus difficile, et c'est là où il faut tendre, hein, c'est le proof of value, c'est-à-dire est-ce que justement cette solution est viable économiquement? Est-ce qu'elle est scalable? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, des problèmes d'approvisionnement en composants comme on peut le vivre? Est-ce qu'elle est déployable rapidement, etc. Donc prendre en compte finalement toute la valeur autour du projet. Et ça, c'est très important de pouvoir changer de concept et d'élargir finalement le test en englobant la valeur et encore une fois en impliquant tous les personnels de l'entreprise. Alors, si maintenant on rentre un petit peu dans le vif du sujet, donc si on se place à la place du client, donc on aime bien mettre le client au centre, hein, comme vous pouvez le voir ici. Alors le client, il a en général, par rapport aux objets, il a deux bras. L'un qui va voir ce qui se passe sur les objets, va pouvoir placer par exemple son capteur de température, sa petite boîte de vibration qui va détecter les vibrations sur ses machines, etc. Et puis en général, il a soit un site web, soit son portable ou sa tablette avec une application. Et en général, le client ne voit que ça, le client final. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une chaîne derrière, bien sûr. Les objets sont connectés par des réseaux. Alors, dedans, on peut trouver, bien sûr, des bons vieux Bluetooth, Wi-Fi, etc. Mais en général, si on veut quelque chose de complètement général partout, utilisable partout, on a souvent des réseaux WAN, donc longue distance, donc LoRa, LTE-M, bientôt 5G généralisé. Et donc, ça permet ensuite d'aller vers ce qu'on appelle des plateformes IoT qui vont collecter l'ensemble des informations, qui vont aussi gérer les équipements. Donc, ils vont pouvoir avoir une idée de la flotte, hein, du parc d'objets qui sont connectés. Et puis, laisser aux administrateurs, aux gens techniques de l'entreprise, la possibilité justement d'attribuer des permissions, des autorisations, de vérifier l'état des objets, etc. Et le tout part ensuite vers une plateforme applicative. Et cette plateforme applicative, justement, a été faite en général pour un métier particulier. Ou alors c'est un logiciel édité par des éditeurs. Mais en tout cas, ce sont des plateformes qui reprennent l'essentiel des données qui ont été connectées et qui les traitent pour renvoyer l'information à la fois vers l'utilisateur final, mais aussi vers la plateforme d'administration de l'entreprise. Donc voilà en général comment ça se passe. Alors, si on regarde maintenant une cartographie des acteurs, parce que derrière, en fait, chaque fonction, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en ligne de mire, vous trouvez déjà une différence souvent hein, entre le client final et l'utilisateur final. Donc, le client, c'est celui qui achète les objets, l'application, etc. Ce n'est pas forcément l'utilisateur final. Donc déjà, il peut y avoir des choses à mettre au point entre les deux. Ce n'est pas toujours facile de bien faire comprendre l'utilisateur final, donc l'usage le plus opportun des technos qui ont été achetés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un écosystème qui commence à croître autour de ses clients. Alors, vous avez à gauche les fabricants d'objets, donc typiquement pour mesurer, par exemple, un taux de remplissage dans un conteneur de déchets, par exemple. Vous avez des bureaux d'études qui peuvent aider ces fabricants d'objets, le cas échéant, un bureau d'études très spécialisé sur une mesure physique, par exemple, ou sur des antennes de connectivité. À droite, vous avez plutôt, sur la partie applicative, des éditeurs de logiciels qui vont, par exemple, faire des vues 3D, faire du SCADA, c'est-à-dire en fait de la supervision d'objets. Et puis, vous avez des consultants qui donc, peuvent aider justement à la fois les éditeurs, mais aussi le client à choisir ses solutions et puis à customiser l'ensemble de ces solutions. Et puis enfin, vous avez, pour compléter l'écosystème, bien sûr les opérateurs, télécoms, opérateurs également privés hein, pour l'entreprise, pour les gros sites, les intégrateurs et les hébergeurs. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les acteurs, par exemple, si on prend Orange, on peut être à la fois opérateur, on peut être intégrateur, le cas échéant, donc sur des affaires importantes. On héberge également les données. On peut être éditeur donc, de solutions assez généralistes, comme Fluvision, par exemple. Et puis, on peut faire du consulting, par exemple, sur la sécurité. Donc, on a toute une équipe de consultants sécurité et on peut intervenir. Et donc, ce qui se passe, c'est que
on a affaire à un écosystème très, très riche, avec bien sûr des concurrences entre acteurs, mais aussi des complémentarités. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de nouer des partenariats en ayant conscience qu'on peut se concurrencer entre nous sur différentes affaires, mais on peut aussi manger tous ensemble un gâteau beaucoup plus grand, qui est le gâteau de toutes les affaires IoT qui croissent. Alors, si on regarde maintenant par domaine, donc on a aujourd'hui une explosion en fait dans le domaine du smart home. Alors, ça a mis beaucoup de temps à arriver, hein, spécialement en matière de sécurité autour de la maison. On a maintenant des solutions qui sont très matures, avec la possibilité d'installer en fait des caméras, des détecteurs de présence, détecteurs également d'intrusion. On a également des systèmes extrêmement efficaces maintenant de régulation de chauffage, d'optimisation énergétique. Donc, je dirais que le côté maison est vraiment maintenant très, très mature. Également, côté personnel, donc par exemple pour le bien-être, pour le sport, vous avez énormément de solutions pour traquer ce que vous faites, par exemple, en running. En matière de santé connectée, également, on a fait beaucoup de progrès à la fois dans toutes les données qui peuvent être échangées de manière complètement sécurisée. Beaucoup d'entreprises, dont Orange d'ailleurs, ont des filiales dédiées à cette activité, de manière à pouvoir gérer efficacement justement cette collecte et ce traitement, de manière totalement sécurisée par rapport à ce que les gens sont en droit d'attendre pour la sécurité de leurs données de santé. Alors, vous avez d'autres domaines, hein, par exemple, tout ce qui est compteur. Là, c'est aujourd'hui l'essentiel du volume qu'on a aujourd'hui dans l'IoT. C'est souvent tout simplement la collecte de compteurs de gaz, d'électricité, d'eau. Également, on a un énorme contrat, par exemple, avec une filiale de Veolia qui s'appelle Bird et qui permet, en fait, à terme, d'avoir plusieurs millions de compteurs d'eau qui seront relevés. Mais on a les mêmes problématiques pour observer, en fait, finement ce qui se passe pour l'électricité, par exemple, pour le smart grid. On a énormément d'applications sur du compteur. Ces informations qui sont ça ne prend pas beaucoup de volume, hein, ça remonte en fait quelques fois par jour seulement. La fréquence n'est pas très importante, ce sont des petites données qui sont remontées, mais c'est très important à grande échelle puisque ça permet de fédérer et puis d'optimiser un réseau entier. Alors en smart building, ce qui marche vraiment bien en ce moment, c'est évidemment tout ce qui est qualité de l'air, donc et pas seulement le CO2, pas seulement en fait les composés organiques, mais d'autres types, par exemple d'odeurs, de gaz toxiques. Beaucoup d'activités autour de la détection. Alors soit des objets qui se posent en fait sur des tables, des bureaux, ou qui se placent contre un mur, soit carrément dans les conduits de VMC par exemple sur le smart building. Ce qui est très très en pointe également, c'est tout ce qui est optimisation énergétique. Donc on travaille beaucoup de partenaires qui aujourd'hui optimisent finement toute la régulation du chauffage en fonction de l'occupation, en fonction des contraintes énergétiques des bâtiments, par exemple. Et maintenant, on commence à voir, avec les problématiques de retour au bureau, des logiciels d'aménagement de bureau, des logiciels qui permettent, en fonction des caméras, en fonction des détecteurs, de voir typiquement si la distanciation sociale est respectée, s'il n'y a pas trop de monde au même endroit, etc. Donc là, c'est vraiment un secteur qui explose en ce moment sur smart building, et c'est très très intéressant de suivre justement cette dynamique. Et puis sur les smart cities, là on a bien sûr énormément d'activités. Alors ça va du parking, du smart parking, pour optimiser en fait les places de stationnement, pour réguler le trafic, le street lighting aussi, hein, pour optimiser en fait l'éclairage public. Par exemple, ça ne sert à rien d'éclairer si personne ne passe sous les candélabres. Donc là, on a beaucoup de solutions de partenaires qui se développent actuellement dans ce domaine. On avait commencé il y a plusieurs années déjà en Roumanie, avec donc une ville très, très importante dans laquelle on avait fait beaucoup d'économies d'énergie. Et maintenant, on commence à avoir énormément de partenaires qui brillent, en fait, c'est le cas de le dire, dans ce domaine, sur le street lighting. Et puis après, vous avez tous les phénomènes de régulation de trafic et de sécurité aussi. Vérifier que la sécurité de la ville est bien renforcée. Et ensuite, vous avez bien sûr les voitures connectées. Alors ça, c'est plus du domaine de la 5G, on y viendra après sur la fin. Le gros du volume se fait aujourd'hui sur la logistique, et en particulier sur les chaînes alimentaires, contrôle de la chaîne du froid.
Gros secteur, là aussi, on fait à la fois du tracking de véhicules, donc de fret, hein, ça peut être des camions, ça peut être aussi des bateaux. Et ce qui est intéressant, c'est justement, en plus de la localisation, on y met aussi la détection, par exemple, de température, de vibration, pour être sûr que l'acheminement des produits se fasse bien. Et puis, évidemment, donc on a l'industrie. Alors là, j'évoquais la maintenance préventive, ça c'est un gros domaine. Le travailleur augmenté, donc les opérateurs donc dans l'usine augmentés, soit par des lunettes, soit par une tablette, et qui vont pouvoir faire leur travail de manière beaucoup plus fluide, mais également intervenir sur les machines de manière beaucoup plus sécurisée. Et le Smart Agri est un secteur en pleine progression également. Alors, à la fois sur l'élevage, avec le tracking, par exemple, des vaches, hein, tout simplement. Alors, par exemple, pour corréler en fait, la qualité du lait qui est observée sur les vaches par rapport à ce qu'elles font dans les pâturages. Ça peut être aussi pour détecter si une vache va mettre bas et pour avertir en fait, l'éleveur suffisamment tôt. Donc, ça, c'est des use cases vraiment qui se sont popularisés. Et puis, bien sûr, l'agriculture de précision dans tout ce qui est végétal. Là où il faut tenir compte de plein de paramètres, météo, humidité du sol, etc. Donc là aussi, ça explose complètement. On travaille avec énormément de partenaires aujourd'hui dans le Smart Agri. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on y trouve toutes les problématiques industrielles concentrées sur une entreprise en général assez petite et qui doit faire face à beaucoup de soucis de sécurité, de rentabilité. Où là, je dirais la valeur est vraiment très, très importante à évaluer dès le départ. Bon, je pourrais continuer des heures, on a d'autres domaines, mais je voudrais laisser la place quand même à quelques partenaires donc, de la Bretagne et du Pays de Loire. Alors, je vais commencer, je ne sais pas si Benoît ou Yannick sont là, mais je vais commencer par A3IP, donc près de Nantes. Alors, A3IP, c'est un super partenaire qui a deux gammes de produits essentiellement, donc des fissuromètres et des inclinomètres. Donc là, vous avez une photo d'un capteur qui va mesurer l'évolution dans le temps d'une fissure. Alors, c'est très pratique parce que ça permet d'installer en fait, sur un site où il y a déjà un problème ou un site qui menace d'avoir des problèmes. On installe ce type d'équipement. Ça se fait avec un petit étalonnage très, très rapide, hein, avec un téléphone portable. Et puis, toutes les données sont remontées en fait, dans le cloud et c'est complètement supervisé à distance. Pardon. Et cette supervision passe justement par un réseau LoRaWAN qui équipe en fait, l'ensemble du territoire. Et ça permet à 3IP justement d'équiper en fait, différents ouvrages pour justement mesurer ce qui se passe. Alors ça, c'est un fissuromètre. Il y a un équivalent maintenant en inclinomètre. Pour mesurer, par exemple, si des murs de soutènement sont en train de s'incliner un peu trop fort et s'il faut agir directement sur place. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec A3IP ? Ben, on leur fournit bien sûr la connectivité, on leur fournit la plateforme IoT qui permet à leur applicatif de fonctionner de manière totalement seamless avec l'ensemble des données qu'ils remontent. Autre exemple, donc à Pizzi, donc de Lannion, enfin ils sont à la fois à Lannion et à Rennes. Donc, alors là, c'est vraiment pour aider à réparer, justement, à maintenir des équipements. Alors, ils sont plusieurs types d'équipements, mais le use case est vraiment très très sympa. Ça permet à quelqu'un qui n'est pas forcément un expert, mais qui est sur le terrain, d'être assisté par un expert qui est à distance et qui va voir ce que la personne sur le terrain voit et qui va pouvoir l'aider, le guider à résoudre un problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier qui fait gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps, qui sécurise, qui permet de former aussi en temps réel les gens qui sont sur le terrain. Et Apidi s'est spécialisé depuis plusieurs années dans ce domaine d'activité avec beaucoup de succès. Et donc, c'est un secteur qui explose là aussi en matière de possibilités. Alors, Copix sur Lannion, donc ils ont deux grandes activités, l'élevage et tout ce qui est optimisation en fait des productions végétales. Donc vous voyez par exemple en haut, ils arrivent à détecter avec donc une caméra connectée ce qui peut se passer donc dans les élevages de cochons et corréler en fait
des comportements un petit peu bizarres, corrélés à la production. Et puis en bas, c'est une station météo complète qui aide justement les exploitants à avoir justement le bon traitement, la bonne irrigation au bon moment, au bon endroit pour l'ensemble des cultures végétales. Donc ça, ce sont des use cases vraiment très très importants qu'on retrouve chez beaucoup d'acteurs et c'est là aussi c'est un secteur qui explose en ce moment. Et puis Elliot, j'ai aperçu Cyril tout à l'heure en vignette. Donc là, c'est une start-up qu'on accompagne avec grand plaisir depuis pas mal de temps, déjà depuis la création. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que Loïc est un ancien d'Orange aussi, un essaimage en fait. Donc là, ils ont une solution complète, alors qui part d'un petit capteur pour détecter en fait le taux de remplissage de différents bacs ou des conteneurs. Alors, ce n'est pas forcément des déchets, hein, ça peut être aussi, je sais qu'ils avaient travaillé aussi sur des boîtes pour les journaux, mais en tout cas, ils mesurent un taux de remplissage. Et avec une technologie brevetée, une technologie laser qui est très efficace, et autour de ce capteur, ils ont une solution globale qui permet justement aux exploitants de faire un ensemble de solutions très efficaces pour les villes. Alors, je le cite aussi parce qu'ils ont eu vraiment la bonne idée, je trouve, de faire une étude sur l'impact du confinement sur les déchets. Et ils ont rendu public en fait l'étude. Donc, si vous allez sur leur site, vous verrez, c'est un PDF téléchargeable gratuitement et qui permet de retrouver des infos vraiment très, très intéressantes sur une big data en fait, analysée sur le comportement et l'influence de tout ce qui s'est passé en 2020 sur justement le taux de remplissage, le ramassage en fait, des différents déchets dans les villes. Donc, petit coup de pub au passage. Et puis, donc je pourrais en citer plein. Hein. Là, j'en ai pris quelques-uns parce que le temps presse. On a Stimio aussi, donc sur Nantes, qui eux ont une activité ferroviaire très importante depuis pas mal d'années. Et là, ils viennent de se diversifier typiquement sur des outils, des capteurs en fait de détection d'inondations. En particulier, vous voyez, là c'est un cas qui devient assez grave hein, sur un transformateur électrique. La situation est plus que problématique et avec leur capteur, ça permet d'éviter d'arriver à ce genre de choses de manière à préventivement prévenir justement des inondations potentielles. Donc, c'est un marché là aussi qui est très important. Voilà. Alors, en termes de technologie, comment ça marche tout ça? Alors, tout simplement donc, en connectant des capteurs, des actionneurs. Actionneur, ça peut être une vanne, hein, ça peut être un switch qu'on allume ou qu'on éteint. Point important, donc, on a derrière différents types de connectivité, une plateforme qui gère les données et les différents devices, donc les objets connectés. On a également donc, toute la partie applicative, avec donc, la partie business, la partie analytics. Donc, tout ça forme un ensemble très concret, très complémentaire de solutions, de briques qu'on assemble, soit de manière relativement standard, soit de manière spécifique pour un métier particulier. Et le tout doit être sécurisé, de bout en bout. Ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a eu encore récemment des problèmes d'intrusion de hackers dans les objets connectés. Donc, des acteurs comme Orange, par exemple, hein, sont capables de faire un audit, de faire des recommandations, de sécuriser de bout en bout pour éviter justement que des gens mal intentionnés viennent se glisser en fait, dans la chaîne, dans toute la chaîne de valeur, et viennent donc perturber le fonctionnement. Et donc plus récemment, on a introduit, mais on n'est pas les seuls, hein, toute une gamme de edge computing. Donc il s'agit en fait d'amener non pas toute la puissance de calcul et de traitement et de stockage dans le cloud, mais de ramener au plus près des objets beaucoup d'informations de manière à garder un temps réel très important et de garder l'information chez le client. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Ça équilibre, si vous voulez. Alors, à une époque, on était parti vraiment complètement dans le cloud. Il y a toujours un balancier dans l'histoire. Hein. Et là, on revient à équilibrer un peu plus entre le cloud et une dimension vraiment précise chez le client. Alors, en termes de connectivité, comment ça se passe? Vous connaissez tous la 2G, la 3G, la 4G. Alors, la 2G et la 3G vont s'arrêter. Hein. C'est pour ça qu'on a pris les devants. On a sorti en fait différents types de réseaux. Alors, vous trouvez pour l'IoT deux choses très importantes. Vous avez en bas des réseaux typiquement IoT, donc longue distance, bas débit,
Baku, Sigfox et LoRaWAN. Ce sont deux technologies alors qui s'opposent, on les met souvent en concurrence, à juste titre. L'objectif elle-même, c'est d'être très économique, très autonome, mais la manière de traiter le problème est complètement différente, à la fois techniquement et en termes de société. LoRaWAN est un conglomérat, c'est une alliance, alors que Sigfox est une entreprise donc unique, et il y a beaucoup d'incidence sur ces différentes optiques de traitement. Ce qui est important également, c'est que nous avons en fait décliné toute la partie cellulaire en deux grandes déclinaisons, que sont le LTE-M et le NB-IoT, pour pouvoir s'adapter à ce que font des objets. Alors s'adapter, ça veut dire quoi, hein, par rapport à de la 4G ou par rapport à la 3G? C'est tout simplement consommer moins et accroître un petit peu plus la couverture, souvent en indoor, pour que ça pénètre mieux dans les bâtiments. Et tout ça va être complété, bien sûr, par la 5G. Alors, ça l'est déjà, hein, en fait. Hein, la 5G est déjà, comme vous le savez, sortie. Alors, il y a plusieurs 5G, hein, attention. Ce qui est sorti déjà en France depuis la fin de l'année dernière, c'est ce qu'on appelle le MBB. C'est-à-dire, en fait, c'est la 5G plus rapide, en général, 4 fois plus rapide que de la 4G. Mais vous n'avez pas encore toute la quintessence de l'apport de la 5G qui arrivera un peu plus tard, hein, dans 2 ans pour le Critical IoT et un peu plus tard pour ce qu'on appelle le Massive IoT. Donc ça va se faire par étapes. Là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la rapidité, sur le désengorgement aussi, comme vous le savez, des réseaux 4G qui parvenaient parfois à saturation. Donc, on résout 2 problèmes tout de suite, mais on va aller beaucoup plus loin dans quelques années pour prolonger justement cet effort et avoir, je dirais, une connectivité encore plus enrichie. Alors, ce qui est important également, c'est de faire un petit zoom. Alors, il faut que j'accélère un petit peu parce que je suis bavard, mais je vous ai fait un zoom entre 3 grandes familles de connectivité IoT qui sont utiles et qui sont d'ores et déjà disponibles. Alors, LoRaWAN, comme je le disais, c'est en fait un réseau qui est complètement ouvert. C'est un écosystème géré par ce qu'on appelle la LoRa Alliance, hein, qui a près de 600 membres, dont 150 opérateurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bande de fréquence utilisée qui est une bande libre dans laquelle il faut respecter en fait, ce qu'on appelle le duty cycle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas émettre trop souvent, il ne faut pas encombrer cette bande de fréquence. Et la contrepartie, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus économique. Les opérateurs, pour déployer un réseau LoRa, n'ont pas de licence à payer, quel que soit le pays, c'est une bande libre. Et du coup, on a des produits qui sont extrêmement intéressants en termes d'abonnement. Alors, bien sûr, il faut réserver LoRaWAN à des petits débits qui sont donc sécurisés de bout en bout, qui ont une grande portée en matière de couverture, hein, pour les différents objets, et dont la rapidité s'adapte en fait en fonction des conditions. Alors, s'il y a des questions, je pourrais vous expliquer un petit peu tout ça, mais en gros, si vous voulez, LoRaWAN a une stratégie pour vraiment s'affranchir des perturbations qui peuvent se présenter dans la radio, dans les gammes radio, hein, électromagnétiques. Ils ont ce qu'on appelle un spectre qui s'étale, donc ce qu'on appelle le spreading factor, en fonction de la vitesse, en fonction des conditions qu'on veut obtenir pour gérer donc, la collecte d'informations. Et tout ça est automatisé pour avoir le meilleur débit possible en fonction des différents critères de connexion. Idem pour le côté bidirectionnel, il y a plusieurs modes. Donc en général, les gens qui font du LoRaWAN, c'est souvent pour faire un capteur qui va collecter des informations et les envoyer sur une plateforme. Dans ce cas-là, la bidirectionnalité n'est pas toujours très importante, mais dès qu'on émet quelque chose, on peut aussi recevoir quelque chose. Donc ça, c'est très pratique. Si on veut envoyer un ordre à un objet, on peut le faire. Et puis, il y a un mode C qui est un mode continu, où là, l'objet peut recevoir en permanence. Donc, on peut contrôler une vanne, par exemple. On peut contrôler un switch à déclencher à distance sans problème. Mais il faut le réserver, bien sûr, à des objets qui ont une pile ou une batterie ou qui sont sur un secteur, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de consommation. Donc, LoRaWAN est vraiment très, très adapté pour, je dirais, vraiment la partie collecte, capteur, avec un côté bidirectionnel très intéressant. Et autre point, c'est que tout ce qui est localisation se fait par le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à n'importe quel objet qui est souvent muni d'un GPS, eh bien là, l'objet n'en a pas besoin si on se contente d'une localisation assez grossière, puisqu'en fait, c'est le réseau qui va détecter
sont les antennes du réseau qui vont regarder la force du signal qui est émise par l'objet, et qui, parce qu'eux savent exactement où ils sont, hein, les devices qui sont sous chaque antenne, donc ils connaissent leur position, et ils vont détecter simplement la force du signal reçu par un objet, ils vont comparer ça entre eux, et puis ils vont pouvoir dire, voilà, en triangularisant le système, quelle est la localisation approximative d'un objet. Donc on arrive à plusieurs kilomètres de précision, ce qui pour beaucoup de cas de figure est suffisant. Et souvent, on a des clients, lorsqu'ils veulent un peu plus de précision, ils savent à peu près où est l'objet, et si ils veulent vraiment un peu plus de précision, ils activent un GPS ou ils activent du Wi-Fi sniffing pour voir où ils sont exactement, et ils complètent la géoloc de l'objet. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir cette géoloc intrinsèque dans le réseau, même si elle est un petit peu grossière en matière de précision. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a une très bonne couverture, hein, 95% de la population en fait, du territoire. Alors, c'est la France métropolitaine plus la Réunion qui sont gérées. La Réunion a un taux de couverture encore meilleur de la population. Alors, si je passe maintenant au LTEM, donc là, on rentre dans une catégorie complètement différente. Hein, c'est une adaptation du LTE, c'est-à-dire de la 4G, pour qu'elle consomme moins que la 4G. Alors, on a deux modes pour ça. On a ce qu'on appelle le PSM, un Power Saving. Donc, en fait, on va rentrer en veille légère pour être capable, en fait, de consommer beaucoup moins. Il y a un IDRX qui complète cette veille-là et qui va consommer encore moins. Donc, on peut vraiment faire des objets extrêmement autonomes, même si la connectivité est cellulaire. Et puis, il y a un autre truc très important, c'est l'extension de couverture. Qui permet d'avoir en fait un gain de 8 dB. Alors 8 dB, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais en fait, ça veut dire qu'on peut transformer, on peut traverser un mur important ou un plancher important. Lorsqu'on fait, par exemple, des détections dans les usines, dans les bâtiments, avec des bâtiments HQE, hein, qui sont assez difficiles à pénétrer parce qu'ils sont très bien isolés, eh bien, on gagne au moins une pièce de plus lorsqu'on pénètre à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est vraiment significatif. On a fait des essais avec SNCF aussi dans les tunnels, c'est extrêmement intéressant, on a vraiment une capacité vraiment beaucoup plus grande en matière de couverture. Et vous voyez que les vitesses sont extrêmement intéressantes, alors ce n'est pas aussi rapide que de la 4G normale, ça consomme un peu moins. Et puis on arrive, alors sur les use cases, les gens qui utilisent aujourd'hui le LTM, c'est souvent pour faire de la levée de doute, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple une intrusion ou ils ont une alarme qui remonte. Alors, au lieu d'envoyer une équipe sur place, ils prennent des images, ils prennent du son à distance avec le LTEM. Le débit est suffisant pour ça. Et puis, ils peuvent juger en centrale si c'est un faux positif ou si c'est une vraie alarme. Et le cas échéant, à ce moment, ils envoient une vraie équipe sur place. Et puis, comme c'est du LTE modifié, on hérite, au sens technique du terme, de tous les bénéfices de la 4G, c'est-à-dire en fait du roaming entre opérateurs. On va converger à terme vers la 5G aussi. Donc, j'encourage tous ceux qui se posent des questions sur de la connectivité assez rapide, hein, et plus autonome que de la 4G à passer en LTEM. Vous aurez l'assurance d'avoir quelque chose de pérenne par rapport à la 5G et surtout vous aurez pour le même prix que du LTE tout court une capacité en machine to machine, en IoT extrêmement intéressante. Et puis, un taux de couverture, évidemment, qui est encore un peu meilleur que celui de la 4G, puisque, comme je l'évoquais, il y a une extension de couverture. Voilà. Alors, si on aborde maintenant la 4G, ce sera le dernier point important à voir ensemble. Donc, alors, déjà, c'est à la fois une évolution de tout ce qui est réseau, je dirais, cellulaire classique, en matière de déploiement, en matière de test d'équipement. On a maintenant plusieurs équipements compatibles, aussi bien sur des terminaux que sur des objets. Mais c'est surtout une révolution, en fait. Et c'est très profond comme révolution pour nous, opérateurs, et pour vous, clients, partenaires, potentiels, parce que, en fait, ça remet en cause énormément de choses. D'abord, les fréquences, les gammes de fréquences qui sont utilisables sont nouvelles. Les antennes qui sont utilisées sont également nouvelles. Elles vont consommer beaucoup moins. Elles sont beaucoup plus directives en matière de communication. Et surtout, il y aura, alors pas maintenant, mais dans quelques années, en fait, un nouveau cœur de réseau complètement virtualisé. C'est-à-dire qu'en fait, on aborde une technologie totalement logicielle, virtualisée, à la fois dans le cœur de réseau, mais qui pourra se transposer aussi en edge chez le client.
Et enfin, quelque chose de très important que tous les journalistes reprennent à l'envi, hein, c'est le slicing, c'est la capacité finalement à découper en tranches la bande passante et le réseau qui est disponible, de manière à avoir par exemple une priorité supérieure pour typiquement des opérations en ligne, une téléopération très importante qui est plus prioritaire. C'est un peu comme si sur l'autoroute, vous vouliez dédier une voie particulière pour que des véhicules prioritaires, par exemple, puissent circuler. Donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment une grande révolution. Alors, comme je le disais, ça va prendre plusieurs étapes pour le faire. Les voici. Donc, j'évoquais à gauche l'étape EMBB. Donc, ça, c'est déjà disponible. Hein. C'est ce qu'on appelle donc, le Enhanced Mobile Broadband. Donc, rapidité accrue, densité plus forte, hein, moins de congestion qu'on en avait auparavant en 4G. Bientôt, donc, on aura ce qu'on appelle le Critical IoT, avec deux choses importantes, une latence très faible, une latence de quelques millisecondes seulement, et une fiabilité vraiment très très importante. Donc ça permettra justement des téléopérations à distance, pas forcément une surgery, hein, mais ça peut être des opérations sur un robot de manipulation par exemple. Et puis, un peu plus tard, vous aurez la troisième étape qui sera ce qu'on appelle le Massive IoT, avec là une densité très très forte. Donc, on aura plusieurs dizaines de milliers d'objets en fait, sur une toute petite densité, ce qui est important en fait, pour les usines, pour les entrepôts, où on estime qu'on aura, encore une fois, beaucoup, beaucoup d'objets qui seront connectés. Et c'est très important de pouvoir effectivement assurer que cette densité puisse être gérée. Et aussi, une consommation moindre. Donc, c'est là, quand j'évoquais tout à l'heure que le LTE-M convergeait vers la 5G, c'est à ce moment-là que ça se fera, c'est-à-dire qu'on bénéficiera de toute la partie économie d'énergie qu'on peut avoir d'ores et déjà sur le LTE. Alors, rapidement, en bande de fréquence, donc, là aussi, mais je pense que la presse maintenant a fait beaucoup d'écho, commence à bien différencier ce qui se passe, parce que la 5G recoupe beaucoup, beaucoup de choses. En fait, le vrai cœur 5G, c'est tout ce qui est autour de la nouvelle gamme de fréquences en 3,5 GHz, qui permet d'avoir le meilleur compromis entre des débits supérieurs, typiquement 4 fois plus hein, que la 4G, et un très bon compromis entre la couverture et, je dirais, le débit lui-même. Parce que vous savez, c'est physique, hein. Plus la fréquence est faible, mieux ça pénètre dans les bâtiments, plus la portée est grande, et plus la fréquence est haute, plus la portée est faible, mais plus le débit peut être important. C'est la physique de base. Et ce n'est que dans quelques années qu'on aura donc, les gammes de fréquences importantes, donc autour des 26 GHz, ce qu'on appelle aussi les bandes millimétriques, où là, on aura effectivement des débits très très importants, en théorie supérieurs à la fibre. Et bien sûr, ça nécessitera des antennes un peu plus denses, de manière à pouvoir, je dirais, équiper typiquement des campus, etc. Alors justement, on a des expérimentations, parce qu'on n'a pas attendu que tout ça vienne petit à petit, hein. Typiquement, donc près de Nantes, en fait, vous savez qu'il y a une usine importante pour la Croix en fait, qui va tester en vraie grandeur tout ce qui est chariot guidé, complètement sans fil, avec de la 5G. Alors, ça existe déjà chez Mercedes hein, en Allemagne, sur un réseau 5G privé. Ils ont fait des tests, par exemple, entre le Wi-Fi 6 et la 5G. Ils préfèrent vraiment, c'est public, hein, vous pouvez voir sur leur site toute la partie 5G en termes de qualité de service. Schneider donc, travaille là beaucoup sur l'opérateur augmenté, les agents de maintenance augmentés, avec pas forcément des lunettes, mais aussi des tablettes qui permettent de voir exactement où sont les problèmes dans l'usine. Et puis, on a une très belle expérience aussi en Belgique, hein, au port d'Anvers, où là, il s'agit pour les remorqueurs de communiquer entre eux. Parce que quand vous avez un bateau, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais il y a un remorqueur, en général, il y en a un devant, un derrière. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile entre eux de voir, par exemple, celui qui est à l'arrière, de voir ce que voit celui qui est à l'avant. Eh bien, la 5G permet de retransmettre, en fait, avec des caméras donc orientables, hein, PTZ, on arrive facilement à piloter et à transmettre finalement les informations en temps réel, aussi bien entre les remorqueurs que entre les remorqueurs et le poste central de commande. Donc, c'est énorme comme bénéfice. Ça permet vraiment de fluidifier le trafic, de sécuriser le trafic des grands conteneurs. C'est un port où le trafic est énorme. Et les conditions météo ne sont pas toujours géniales. Donc, en plus, c'est souvent des caméras infrarouges et pas des caméras classiques. Et donc, le débit doit être très important. Je dirais, la latence doit être très faible, de manière à ce qu'il y ait une bonne synchronisation entre les différents remorqueurs.
Donc ça, c'est vraiment... alors, ce ne sont que trois cas d'usage, il y en a plein d'autres. Hein. Je veux pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a aussi des cas en car-to-car, en véhicule tout véhicule qu'on fait à Montlhéry, par exemple. On a beaucoup d'exemples comme ça où il s'agit d'avoir beaucoup de vitesse, beaucoup de fiabilité entre différents objets. Et là, les objets sont souvent des caméras, mais pas forcément une caméra visuelle classique. Hein. Il y a de l'infrarouge, il y a des signaux qui sont traités en plus. Et donc, c'est très important d'avoir typiquement de la 5G pour faire ça. Et alors ça, ce sont des licences expérimentales. C'est-à-dire que, par exemple, le port d'Anvers a une licence spéciale. Schneider, La Croix, ce sont des réseaux privés spéciaux. Donc même si tout n'est pas encore complètement disponible sur le plan national, on a la possibilité de faire des bêta-tests comme ça pour faire avancer les use cases et la technologie. Alors je passerai rapidement là-dessus, j'ai des questions. Ce qui est important, c'est que on est en train de mettre en place un ensemble de sites qui s'appellent des 5G Labs. Donc, on en a ouvert un à Châtillon, en banlieue parisienne. Celui de Lyon va être inauguré bientôt. Je n'ai pas encore la date de celui de Rennes, mais ce sont des lieux d'expérimentation pour nos partenaires avec un accompagnement personnalisé pour tester en avant-première, justement, différents cas de figure en 5G. Pardon, excusez-moi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre donc contact hein, via mon contact, par exemple, à la fin, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez tester, et vous pouvez prendre rendez-vous pour justement explorer en avant-première ce qui se passe sur la 5G. Alors, je suis en train de déborder très largement. Je voulais juste vous montrer quand même qu'au-delà de la connectivité, donc qu'elle soit 5G, LTE-M, etc., on a aussi des plateformes de services, hein, plateformes de traitement d'objets et de devices. Qui s'appelle LiveObject, par exemple, que vous pourrez citer. Voilà, alors je passe aussi très rapidement là-dessus, juste une petite page de pub quand même, sur notre programme de partenariat. C'est-à-dire que si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement qu'Orange peut réaliser pour vous, typiquement en termes de visibilité, en termes de mise en avant, en termes, je dirais, d'accompagnement aussi technique pour, par exemple, certifier différents objets pour être sûr que la sécurité, par exemple, est opérable de bout en bout sur votre chaîne. Sachez qu'on a un programme qui s'appelle Avenue Ready. Il y a d'ailleurs un groupe LinkedIn qui rassemble plus de, enfin, près de 1500 membres que vous aurez. Hein. Je ferai un petit extrait des slides également. Vous pouvez retrouver l'essentiel des informations. Voilà, je vais conclure très très rapidement. Quelques points de contact aussi. Alors sur la région, vous avez bien sûr Jean-Jacques, qu'on ne présente plus, hein, Jacques Gaouillet, Franck Lamour et Antonio Berland. Je crois qu'Antonio est présent sur le call. Je ne pense pas que j'ai vu Franck, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont à votre écoute. Et puis, donc à droite, c'est votre serviteur avec bien sûr la possibilité de vous aiguiller en fait vers différents experts, que ce soit marketing, commerciaux ou techniques. Chez Orange. Voilà, j'ai été un petit peu long, je suis désolé, mais en tout cas, je suis à votre disposition maintenant pour des questions, soit tout de suite, ou soit même via LinkedIn ou par mail. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à réactiver vos micros, pardon, si vous avez des questions. Il y avait une question, est-ce qu'on est toujours sur la 5G NSA pour la France? Alors, je vais revenir sur le schéma, du coup, oui. Alors, attendez, je vais montrer ce que c'est déjà que le NSA pour tout le monde. Alors, la réponse est oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le NSA, en fait? Ça veut dire que simplement que c'est non-standalone. C'est-à-dire que, en fait, les réseaux 5G et 4G sont connectés entre eux, de manière à ce que le réseau 5G que j'évoquais, hein, celui qui est plus rapide, puissent s'appuyer en centrale, chez nous opérateurs, sur un cœur de réseau 4G. Donc, on est en train justement de choisir un nouveau cœur 5G. Donc, effectivement, ce n'est pas déployé. Il y a des appels d'offres en cours, alors chez nous, mais aussi chez d'autres opérateurs, pour qu'il y ait un vrai cœur 5G. Alors là, c'est ce qu'on appelle le standalone, puisque vous voyez que le réseau 5G communique directement avec son cœur. Alors, ce qu'on appelle le cœur, c'est un ensemble, je dirais comme un hosting center, si vous voulez, dédié. Télécommunications complètement virtualisées
et qui permet d'accueillir l'ensemble des informations échangées. Alors, évidemment, quand je parlais d'expérimentation, il y a les expérimentations où on est déjà en stand-alone, mais ce sont à petite échelle. Ce sont en fait des expérimentations où il y a un petit cœur de réseau privé, si vous voulez, hein, sur à l'échelle d'un campus ou d'un... Le port d'Anvers, c'est typique. Hein. Il n'y a pas que le port lui-même, il y a aussi les entreprises qui sont autour. Là, on bénéficie en fait à petite échelle, si vous voulez, d'une infrastructure stand-alone en Europe, mais c'est une expé. Ce n'est pas déployé sur toute la France. Ça sera pour dans un an ou deux. Ok. Rémi demandait, est-ce que vous aidez aussi pour les aspects sécurité ? Oui, alors, je ne sais pas ce que vous entendez par sécurité. Si je reviens sur une des slides que j'avais préparées spécialement là-dessus, la sécurité est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend du LoRa, par exemple, LoRaWAN, on a la possibilité de crypter, c'est même pas la possibilité, c'est crypté, en fait, de l'objet lui-même, dans ce qu'on appelle la payload, c'est-à-dire ce qui est transmis en fait, de l'objet vers la plateforme. C'est décrypté, le cas échéant, si le partenaire le veut, dans la plateforme IoT ici. Sinon, ça peut rester crypté et c'est l'application elle-même qui va décrypter l'ensemble. Mais quand on parle de sécurité, ce n'est pas juste s'assurer que l'identification et l'encryption se fassent de bout en bout. C'est aussi potentiellement des audits qui peuvent avoir lieu typiquement sur les objets eux-mêmes. Souvent, on s'aperçoit en cas d'audit qu'il y a des vulnérabilités sur un objet parce que ce n'est pas forcément la connexion WAN, hein, la connexion LoRaWAN ou cellulaire, c'est parfois le Bluetooth qui n'est pas assez sécurisé, ou le Zigbee, qui est une faille, où on peut physiquement rentrer par un port USB sur un objet sophistiqué, quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, l'audit va déterminer les différentes vulnérabilités dans l'objet lui-même, pour justement s'assurer qu'on traite bien tout ça, là où la vulnérabilité est plus importante. Et après, je dirais que c'est aux éditeurs de logiciels de faire tout le traitement pour que jusqu'à l'interface client finale, on ait cette chaîne de bout en bout qui soit complètement sécurisée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je ne vois pas en fait le chat. Mais... Ouais, non, j'ai juste vu un commentaire... Comme les autres affiches, uniquement technique ou aussi de l'entreprise, du coup, je n'ai pas trop suivi à quel moment c'était arrivé. Ah. Rémi, si vous pouvez activer votre micro, ce sera plus simple. Ouais, j'ai essayé, ça m'entend ? Allô ? Oui, vas-y. Ah, ok, super. D'accord. Oui, bonjour à tous. Merci pour la réponse sur l'aspect technique et je me demandais aussi s'il y avait des accompagnements de l'entreprise qui développent les objets, par exemple sur d'autres aspects de sécurité qui vont au-delà de l'objet, mais la gestion de la façon dont on fait le code pour développer l'objet et ainsi de suite. Alors, on gère les mots de passe et ainsi de suite, je ne sais pas. Oui, alors c'est des prestations effectivement qui sont faites par Orange Cyberdéfense. Vous avez aussi des accompagnements qui, en dehors de la sécurité, sont plus sur la partie antenne, batterie. Parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent que les principales difficultés de nos partenaires quand ils font des objets, ce n'est pas tant le logiciel lui-même, c'est souvent des problèmes analogiques, c'est-à-dire des problèmes d'antenne. Souvent, des clients qui réalisent très très bien des tests unitaires, par exemple pour le Bluetooth, une antenne GPS, une antenne cellulaire, etc. Mais quand on met tout ça bout à bout, qu'on met le boîtier autour qu'on secoue un petit peu tout ça avec les perturbations électromagnétiques, l'antenne est très compliquée à gérer. Et donc là, on a aussi des experts qui ponctuellement peuvent aider là-dessus. Après, sur les batteries, on a des partenaires de longue date, hein, comme Saft ou d'autres, qui sont assez experts sur le choix des batteries en fonction des conditions de température, des conditions d'usage, de la place qui reste dans votre boîtier, etc. Et puis, sur la partie logicielle, c'est plus comment gérer les modes de veille, de réveil, et puis comme vous disiez, comment gérer l'accrochage en fait au réseau, de manière à... Alors c'est plus sur des objets complexes, hein, c'est plus sur des caméras, sur des objets vraiment IP. Quand on n'est pas en IP, c'est plus facile. C'est-à-dire du LoRa, typiquement, c'est vraiment hautement sécurisé, les failles sont beaucoup plus... sont quand même très très compliquées à trouver. Et c'est souvent parce qu'il y a du Bluetooth qui traîne ou parce qu'il y a un port USB qui traîne. Et c'est autre chose.
Mais alors après, ça peut faire l'objet effectivement d'accompagnement particulier. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose d'emblée, mais on a de l'expérience effectivement sur les objets. Sachez aussi qu'on réalise des certifications. Ça veut dire qu'en fait, on est capable de tester si un device LoRa ou cellulaire est parfaitement compatible, va bien se comporter dans le réseau. S'il respecte bien le duty cycle, c'est-à-dire s'il n'épait pas tout le temps malencontreusement, si le cycle applicatif est bien géré. On ne fait pas juste un test de compliance réseau, on regarde également l'usage, le use case. Donc, c'est vraiment des prestations, alors elles sont payantes, hein, mais qui sont importantes et qui, finalement, libèrent le fabricant d'objets de pas mal de problèmes potentiels qui peuvent surgir par la suite. D'accord, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai vu une question qui demandait si vous recherchiez des consultants IoT pour vos labs. Alors, pourquoi pas? Je n'ai pas forcément effectivement d'idée. Il faut voir, oui. Donc, qui m'envoie effectivement l'adresse et le profil, pourquoi pas. Vous contactez sur LinkedIn, en gros, c'est plus simple. Oui, sur LinkedIn, oui, ce sera plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on s'arrête là? Ouais. Allô? Oui. Ouais. Moi, j'ai une question assez globale. C'est, vous, au niveau d'Orange, vous voyez comment l'IoT dans le futur? Parce que là, vous avez vu, vous avez expliqué pas mal d'études, etc. Mais vous, en tant qu'Orange, vous avez quoi comme vision de l'IoT? Alors, déjà, il faut bien distinguer, comme je l'avais fait au début, hein, si je reviens sur les différents secteurs. En particulier, moi, je donnerai un avis que sur la partie B2B, parce que je connais moins la partie B2C, y compris la domotique. Je dirais que ce qui se développe beaucoup, c'est toute la partie contrôle, c'est-à-dire vraiment la collecte d'informations. J'évoquais tout à l'heure les compteurs, hein, compteurs à gaz, compteurs à électricité, etc. Ça, c'est une tendance de fond. Ce que les gens aiment beaucoup dans l'IoT, c'est la capacité à avoir des données beaucoup plus fiable qu'auparavant, parce qu'on a beaucoup de données à traiter. Il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup d'argent sur la data analytics et sur l'exploitation de données. Et ce qui manque, c'est vraiment des données essentielles venant de capteurs physiques, dont on peut tracer vraiment toute la collecte depuis l'origine de la mesure. Donc, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est mesure physique, alors que ce soit compteur, que ce soit place de parking, que ce soit caméra de sécurité, etc. Donc, je vois un développement très, très important de ça. Je vois aussi, comme je l'évoquais, le développement du edge computing, c'est-à-dire la capacité à ne pas tout remonter non plus tout le temps, mais à avoir des petits boîtiers de traitement. Donc, si c'est un bâtiment, ça ne sera pas tout remonter dans le cloud directement chez nous, hein, mais ça peut être d'avoir une centrale par bâtiment. Donc, de déléguer finalement au plus près de ce qu'il y a à traiter, typiquement un chauffage, une sécurité, etc. Ça, c'est une tendance de fond. Donc, multiplication des capteurs, multiplication des données de traitement, enfin, des devices de traitement, donc des gateways, en fait, qui seront installés au plus près donc des traitements à réaliser. Ça, c'est très important aussi. Et puis après, je dirais, essayer de lutter contre le déluge de data, c'est-à-dire essayer de filtrer, de ne remonter que ce qui est essentiel. Et là aussi, le fait d'avoir cette traçabilité, d'avoir ce edge computing, permettra de surgonfler ce qui va être stocké dans les data centers. Donc ça, c'est vraiment les tendances de fond que je vois. Et donc j'évoquais le smart building, mais en industrie, c'est pareil. En industrie, on a énormément de données qui remontent aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent très bien rester en local, et on ne remonte que ce qui est essentiel. Donc, et je dirais que c'est de plus en plus accepté. C'est des choses factuelles, mesurables. On a fait beaucoup de progrès sur les mesures physiques. Il y a 2 ans encore, on avait plein de capteurs qui étaient monotâches. On avait un capteur de température, on avait un capteur de pression, on avait un capteur d'humidité, de sol, etc. Maintenant, en fait, c'est tellement miniaturisé qu'on a plusieurs grandeurs physiques qui sont mesurées en même temps. Les chipsets ont beaucoup évolué aussi, donc miniaturisés, beaucoup moins chers. Et donc, du coup, ça va vers une multiplication à bon compte de ces organes de mesure
à condition de prendre soin, effectivement, de mettre du edge computing pour pas que ça démultiplie et que tout remonte bêtement dans le cloud sans avoir d'intelligence intermédiaire. Donc, c'est ça que je vois, en fait. Hein. Et c'est inéluctable. C'est-à-dire que ça a pris, je l'évoquais au début, hein, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, comme souvent, parce que le passage à l'échelle n'impliquait pas forcément tout le monde dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel. Et le ROI, par exemple, je reviens à l'élevage. Hein, une vache, ça coûte au moins 500 euros, c'est entre 500 et 700, voire plus. C'est très rapidement rentabilisé si vous mettez un collier ou un bracelet aux pattes pour mesurer en fait, différents facteurs. Et ça se rentabilise beaucoup plus vite qu'auparavant. Parce que le prix à payer à la fois du capteur, de l'abonnement, un abonnement LoRa, c'est vraiment très, très économique. Donc, on abaisse vraiment la barrière à l'entrée qu'on avait il y a encore quelques années. Et les gens sont capables de dire, oui, si je mets ça, ça ne me coûte pas très cher et je sais que j'aurai un retour sur investissement très rapidement. Si je ne perds pas une vache parce qu'elles sont traquées de manière fine, je dirais la partie vétérinaire est bien traitée suffisamment tôt et qu'il n'y a pas de mort lorsque les petits veaux arrivent, c'est très très vite rentabilisé aussi. Oui, bien sûr. Donc je ne parle même pas de la chaîne du froid. Enfin, on travaille avec des gens qui font des transports routiers avec des charges qui sont très très onéreuses. Si vous ramenez le prix du capteur et de tout le tracking, ça devient ridicule par rapport au prix global de la prestation et de l'assurance. Donc, on a les antivols, c'est pareil. Enfin, l'antivol, on travaille avec des gens qui font des antivols de moto, de vélo, même de banches à béton. Enfin, les banches à béton, c'est les coffrages à béton, c'est souvent volé aussi. Et maintenant, on en met partout parce que ça ne coûte pas trop cher et ça permet de suivre, de traquer directement l'espace. Même des ruches aussi, on a une très belle entreprise qui s'appelle Ostobi, là, dans le nord de la France, qui ont travaillé depuis des années. Très beau succès. Au début, ils avaient fait, c'est un ancien prof de BTS qui a monté sa boîte et qui fait des ruches connectées. Alors, c'est à la fois pour mesurer la productivité et puis la qualité de vie dans la ruche, mesurer aussi le moment où la reine s'en va pour fonder en fait un nouvel essaim. Donc, ils récupèrent tout de suite un nouvel essaim, alors que souvent, ils le perdaient. Ils mettent un tracker dedans. Donc, les gendarmes retrouvent très facilement les ruches qui sont volées. Une ruche, ça coûte 600 euros, hein, donc à peu près. Hein, donc, ça vaut le coup. Hein. Le capteur ne coûte que, je crois, 70 euros. Et ça marche tellement bien que maintenant, il en vend aux US, au Canada. Voilà, donc il est passé en LTE-M, d'ailleurs, pour avoir une très bonne connectivité, du roaming un peu partout. Donc, il a un seul boîtier en LTE-M. Et il envoie ça un peu partout dans le monde. Et il gère un parc de ruches de plus en plus important. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est la simplicité, le fait d'abaisser les prix et que les gens se rendent compte tout de suite que le retour sur investissement est vraiment palpable. Et ça milite sur l'explosion justement du nombre de capteurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je ne sais plus qui demandait si vous aviez un ressenti sur le Cloud Edge Computing. Le computing, oui, je l'évoquais. C'est la possibilité, alors si je reviens sur le schéma hein, pour montrer de quoi il s'agit, c'est effectivement le fait d'amener au plus près de à la fois de la consommation, de la collecte et puis de tout ce qui est traitement, une unité de calcul, de stockage, qui permet d'éviter de tout remonter dans le cloud, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais ça doit être géré. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout décorréler. C'est pour ça que j'ai regroupé en fait, tout ça ensemble. C'est que, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais sur la 5G. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une délégation, si vous voulez, de traitement qui se fasse on-premise, donc chez le client, directement, mais sous contrôle tout de même, pour avoir ce double échange. Parce que, près des capteurs, vous aurez du temps réel, vous aurez une capacité à traiter des choses extrêmement rapidement, de garder peut-être des choses extrêmement confidentielles aussi, mais vous n'aurez pas la profondeur que vous pouvez avoir de traitement dans le cloud. C'est-à-dire qu'en fait, il est bon aussi d'avoir ces deux vitesses et de pouvoir débrayer ou déléguer, si vous voulez, cette,
ce côté vraiment temps réel chez le client et de garder peut-être plus de profondeur, plus d'IA, en fait, tout simplement, hein, intelligence artificielle sur des datasets plus importants au niveau du cloud. Donc, encore une fois, ça ne remplace pas, c'est un équilibre à trouver entre les différentes phases. Et nous, par exemple, chez Orange, on a justement étendu en fait notre plateforme de manière à ce qu'elle soit justement on-premise également, avec des équipements dédiés qui équilibrent justement les traitements entre ce qui se fait dans le cloud et le client. Alors, la question était spécifique sur le Edge dans la 5G. Alors, d'accord. Donc, dans la 5G, alors là, c'est un petit peu extrême. En fait, c'est la capacité, effectivement. Alors, si je reviens à la planche ici, ça revient finalement à virtualiser complètement les différents traitements et être capable justement de prendre des choses qui auparavant étaient vraiment dans le cœur du réseau et pouvoir le déporter sur des gateways, des computers, en fait, chez le client. Alors, il y a même un intermédiaire, ce n'est pas forcément chez le client on-premise, c'est-à-dire dans sa propre usine, dans son propre campus. Ça peut être aussi dans les équipements de réseau proches du client. C'est-à-dire vous avez des cas intermédiaires où ce qu'on appelle le edge est un edge réseau. C'est-à-dire que nous, Orange, si on a par exemple un campus, si je rejoins le port d'Anvers, c'est typiquement ça. Le port d'Anvers, vous avez donc l'autorité du port en elle-même. Vous avez aussi plein de compagnies, de sociétés qui sont dans le campus du port et qui ont d'autres types de traitements à faire. Et bien là, on est capable d'avoir ce qu'on appelle du edge réseau, où on est très proche géographiquement de différents clients, mais on peut mutualiser des choses. Et ça complète l'autre edge, le vrai edge, qui est effectivement on-premise chez chacun des clients. Donc on a ce gradient, si vous voulez, de possibilités. Et tout ça est rendu facile et très élégant par la virtualisation. Ce sont des machines virtuelles, en fait, qui sont utilisées et qui vont être utilisées pour spécifiquement traiter différents types d'algorithmes. J'ai Laurent qui demande si on peut avoir une idée du prix de l'abonnement pour un capteur en LoRaWAN, par exemple. Oui, alors c'est normalement c'est 1 € par mois par device. Donc sur des quantités assez importantes. Et pour le LTEM ? Alors sur le LTEM, c'est le même prix que le LTE. C'est-à-dire vous regardez en fait là si vous avez, je dirais, vos abonnements LTE classiques, donc 4G. Classique opérateur. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des prix parce que ça dépend des quantités. Enfin, mais en tout cas, ce n'est pas plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des fonctions en plus comme l'économie d'énergie, comme la capacité à avoir une portée supérieure, mais ce n'est pas plus cher que de la 4G, volontairement. Okay. Alors, je vois que Phil a répondu sur la réponse. Il veut savoir comment les applications migreraient. Automatiquement, il y a des archis microservices du cloud vers le edge de l'opérateur. Là aussi, alors c'est de la 5G effectivement virtualisée. C'est-à-dire qu'on a, alors, je ne suis pas du tout un expert là-dessus, hein, donc je te donne une réponse plus marketing, on va dire, mais c'est la possibilité effectivement d'utiliser la virtualisation et la délégation entre plusieurs machines virtuelles pour pouvoir récupérer les différents traitements. Mais je ne suis pas un spécialiste, donc si cette personne peut me contacter via LinkedIn et je ferai suivre aux vrais spécialistes. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a fait le tour, je pense. Du coup, on va s'arrêter là. Ce qu'on vous propose, c'est déjà de retrouver sur notre chaîne YouTube cette intervention en replay. Et on vous enverra une présentation un petit peu modifiée, mais l'équivalent de ce que vous venez de voir. Voilà, ce soir. Et donc, pour les prochains Jeudis du numérique, on vous invite via le pôle Images et Réseaux qui organise une technoférence le 18 mars sur le sport et le numérique. Donc, un beau programme aussi, si ça vous intéresse. On vous enverra tout ça par email et sinon sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci à vous. J'espère que ça vous a intéressé. Et à très vite. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.